Et yo tout le monde, c'est LesGamer54, on se retrouve pour la suite de ce Let's Play sur Harry Potter à l'école des sorciers, épisode numéro 2. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous serez tous en forme. Et comme vous avez vu, on tourne au même jour, hein, évidemment. Je tourne à la suite du premier épisode. Du coup, je tourne à la suite. Et comme vous avez vu, dans le premier épisode, on voyait le soleil. Et là, cette fois-ci, on voit plus du tout le soleil. Et du coup, bah voilà quoi. Est-ce que c'est plus agréable pour vous, comme pour moi, parce que voilà, c'est vrai, avoir le soleil en plein sur la tronche, c'est bien beau de temps en temps, mais après, c'est chiant. Et du coup, on a pas mal de choses à faire dans cet épisode. Nous avons par exemple aller voir Hagrid qui nous a donné rendez-vous pour aller le rejoindre. Du coup, je vais comment pour montrer. Ah ouais, c'est carré. Ok. Du coup, l'objectif de cet épisode, ça sera faire le cours de botanique. Ah oui, c'est vrai, une carte gratuite. Je vais la prendre, hein, évidemment. Merlin. C'est Merlin. Ok. Pardon, on va consulter un peu plus tard dans le jeu, si vous le voulez bien. Du coup, voilà, on va faire ça, on va faire pas mal de petits trucs intéressants et tout. À part, ouais, il y aura le cours de botanique, après si je vois, j'aurai encore le temps pour faire un ou deux trucs de plus. Voilà, encore toi, Potter? Tu visites le château, c'est ça? Désolé pour toi, mais tu n'iras pas plus loin. Je ne te laisserai pas passer. Mmh. Oh, et puis aussi, le célèbre Harry Potter est pris au piège dans le méchant château. Ouais. Oh non, je crois bien qu'il va pleurer. Je sers une petite monster en même temps pour rester un peu en forme. Parce qu'il y a quand même pas mal de... Il y aura quand même pas mal de vidéos à tourner. Voilà. Après, je perds mes mots. Ça sent du... ça sent pas trop bon non plus. Voilà. Bref, pas grave. Ouais, je vais tourner à peu près jusqu'à 18h30, 19h. Même un peu plus, je sais pas, on verra bien. Mais sûr, à 20h, sûr que j'arrêterai de tourner des épisodes. À 20h, comme ça, on aura quand même pas mal avancé. Ça se trouve, on aura peut-être fini Harry Potter 1. Ça m'étonnerait quand même un peu. Mais bon, on verra bien. Du coup. Bon, voilà, c'est tout, on a tout récupéré. Voilà. Alors, du coup, on va faire ça. Hein. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Hop. Allez, premier affrontement entre Malfoy et Harry. Ah, tu vas avoir droit à une leçon de Malfoy, Potter. Que dirais-tu d'un cours sur les pochettes surprises remplies de pétards? Je me vengerai, Potter. Tu ne quitteras pas ce château avant que j'aie pris ma revanche. Mais oui, si tu veux. Allez, vous allez voir, c'est vraiment tout simple. On fait ça, boum. On lui balance en plein sur sa tronche et magnifique pétard, là. Que soi-disant, défoncer. Vas-y. Hop, tempé. Tu bouges pas. Salaud! Bien joué, mais salaud quand même! Voilà, là, il appelle Crabbe. Crabbe, occupe-toi de cet imbécile. Ouais, dans le jeu, il dit Crabbe. Et toi, Potter, je vais te donner un avant-goût de mes pochettes surprises remplies de pétards. Alors, pardonne, c'est Malfoy. Il dit Malfoy, il dit Malfoy. À la place de Ranger, il dit Ranger. Du coup, on les pardonne quand même, on les pardonne.
C'est pas ça non plus. Des comptes dans le jeu, mais bon, c'est un peu quand même énervant. Je ne prononce pas très bien les noms des personnages. Pour moi, les personnages principaux, de bien le prononcer, ça serait bien. Mais pas du tout. Quoi. Normalement, encore une fois. Voilà, c'est trois fois. Crèbe, espèce d'idiot, tu es là pour me protéger, je te rappelle. Voilà. Allez, Goyle, viens, on va montrer à ce crétin qui sont les vrais sorciers. Normalement, c'est bon, tout est réglé correctement. Je vais terminer le combat, et puis après, je regarderai la rediff, l'enregistrement pour voir. Sans couper, évidemment, je rassure. Non, après je vais regarder le compte rendu de la vidéo pour voir si ça tombe bien, etc. Alors, arrive. Allez hop, c'est fini. Te réjouis pas trop vite, Potter. La prochaine fois, t'auras pas autant de chance. Oui, si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Alors, attends, je vais juste regarder vite fait. Ouais, bah, c'est en fait, j'ai pas trop bougé le truc. Nickel. Nickel, nickel. Bon, là, je vais vous montrer pas derrière parce qu'en fait, bientôt, je vais avoir un nouveau. Les deux autres vitrines qui sont arrivées. Je pense que ce soir, à l'heure que je tourne, on est 26, hein, évidemment, toujours 26. Du coup, c'est là où il sera mis mes vitrines, juste à côté. Soit vraiment à côté. En attendant, les sabliers continuent de se remplir petit à petit. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, sachez que j'ai enfin reçu les vitrines. Du coup, je ferai ça sûrement ce soir. On verra bien. Allez, la première cérémonie. Tout simplement, première cérémonie. Serre d'aigle. Bon, serre d'aigle, Poussouf, on sait que c'est pas des. C'est pas les gros survivants. Pouf souffle. Hop. Serpentard. Harry Fondor. Griffon d'or. Ok. Normalement c'est nous qui gagne. Griffon d'or est en tête du classement. Bravo. Serpentard remportera-t-elle la Coupe des Quatre Maisons pour la 7e année consécutive? Ok. Bon, là, normalement, dès qu'on va sortir dans le parc, tu vas voir Hadrig qui va nous attendre. Tu te rappelles de moi? C'est moi, Hadrig. Ah bah tiens, vous allez voir ça avec ça. Salut Harry, tu te souviens de moi? Hagrid, le garde-chasse. Oh, ça me fait plaisir de te revoir. Je vois que tu as fini par trouver le parc de Poudlard. Tu dois te rendre à ton cours de botanique. Non, ça m'a bien fait rire. Le professeur Chouave t'attend déjà dans la serre. Viens donc à ma cabane un peu plus tard. Nous pourrons discuter en prenant le thé. Il y a quelque chose que je voudrais te demander. Ma cabane est dans le parc. Ouais, Hadrig est trop mal fait. Bon, à l'époque, quand j'ai joué à Harry Potter, hein, quand j'étais plus jeune, j'avais quoi, c'est sorti quoi, en 2001, 2002, le jeu. J'avais peut-être 8 ans, 9 ans, dans les zones-là. Moi, je crois que j'avais 8, 9 ans, pas plus, quand j'ai joué à ce jeu. Et du coup, ça me surprenait pas, en fait, quand j'étais plus jeune. Bon, après, maintenant, voilà, quand t'as l'habitude de voir dans les autres jeux comment il est à dire, Lipendo. Tu préfères quand même la première version, hein, plutôt la deuxième. C'est la première, voilà. Lipendo. Allez, comme d'habitude, les amis. Lipendo. Comme d'habitude, il faut aller faire les cours avant le temps de se. Lipendo. Faut pas perdre de. Merde. Ok. Ça n'a pas remis le son à fond. Ok, c'est on y est. Je vais pas d'âme. Harry Potter, je suppose. Oui, c'est moi. Bienvenue à mon cours de botanique. Vous arrivez juste à temps. Bonjour.
et bienvenue. Je suis le professeur Chourave. Très bien. Okay. Aujourd'hui, nous allons apprendre à jeter un sort d'incendio. Ah oui. Ne quittez pas ma baguette des yeux et appuyez sur les symboles qu'elle désigne. Terminez chaque série 3 fois et vous aurez appris à utiliser le sort d'incendio. C'est ça. Et maintenant, commençons la leçon. Préparez-vous. Vas-y, roule ma poule. Ok. C'était parfait. Excellent. Splendide. C'est vraiment facile. Très impressionnant. Essayez ceci à présent. Ouais, vas-y. C'était parfait. Excellent. Splendide. Et voilà, le deuxième cours dans Harry Potter est terminé. Vous venez d'apprendre à lancer le sort d'incendio. À présent, suivez-moi pour savoir à quoi sert le sort d'incendio. Par contre, Madame Chourave, dans Harry Potter avec eux des sorciers, elle est trop mal faite. Hein. Essayons maintenant de lancer un sort d'incendio pour faner un bulbe sauteur. Utilisez votre baguette sur le bulbe sauteur situé près de la porte. En touchant les bons symboles, vous accumulerez suffisamment d'énergie pour que votre sort soit efficace. Ok. Hey. Incendio. Incendio. Excellent, Harry. Voilà, c'est fini. J'accorde 5 points à Gryffondor. Oh, c'est gentil, Mathieu. Mais quand même, vous pouvez quand même donner un peu plus. Hein. Vous abusez quand même. Ok. Ouais. Quand on passe un petit coup de sauvegarde, ça fait pas de mal et tout. C'est vraiment sympa. Hop, oui, vous regardez, oui. J'ai l'impression, en fait, que le son du jeu, le son de la voix, en fait, c'est tout est bien réglé. Je vais un épisode quand même. C'était trop fort, mais bon, d'habitude, j'avais réglé pourtant le son. Et là, du coup, ça a l'air pas mal. Du coup, tout a l'air nickel. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est vraiment cool, les amis. Et puis voilà. Allez, tu veux le mot de passe du portrait, voilà, Harry? Voilà. On te le donnera si tu nous rapportes 50 dragées surprises bleues. Mais ouais. Fais attention aux mauvaises rencontres. Il y a des créatures étranges dans le coin. Ok. Ok. Mon pauvre petit chaton, il est tombé dans le puits. Je ne peux pas le rattraper. Oh, il fait très sombre là-dedans. Tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Ouais. Il est sans doute tombé au fond du puits. Ah oui, on sait tous. Ouais, il est tombé bien au fond du puits. Ouais, mais ça sera pas maintenant, mon petit. Je crois qu'il t'attendra d'ici 3, peut-être 3-4 épisodes pour aller chercher ton petit chaton. J'ai eu un tout en poil, mais Fred et George s'en sont servis comme cognard pour s'entraîner au Quidditch. C'est tout? Mais t'es sérieux? Tu me dis que ça? Où qui se bat? Oui, sans respect, notre ami Ron. Hein. Est-ce que ça m'a appris à quelque chose? Pas du tout, rien. Ah, te voilà enfin. Et ton cours de botanique, ça s'est bien passé? Oui, merci, Hagrid. Harry, j'ai besoin de graines de feu. Elles poussent sur une plante très rare dans la forêt. Tu veux bien aller m'en chercher? La plante vit juste au-delà de la porte de la gargouille. Des choses étranges se sont produites dernièrement, alors sois prudent. Ok, monsieur Hagrid. Il n'y a pas de souci, je vais rechercher ton truc. Bon, en plus, on est obligé pour continuer l'histoire. Alors, si tu dis oui ou non derrière ton écran, c'est sûr que. Il ne pourra pas t'entendre, hein, malheureusement. Mais bon. Laisse-moi passer, Harry. Il y a un horrible monstre par là. Oh, bah oui, bah, peut-être une chuchote, c'est pas pareil. Allez, allons à la porte de la Dagoule. Normalement, t'as une sorte de mini-boss à affronter.
Si je dans mes souvenirs, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un sort de mini combat, mini boss. Et eh ben dis donc. Du coup, c'est parti, hein. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Et voilà. Bon, ça va, c'est pas très compliqué non plus. Hein. Faut pas non plus. C'était faisable. Voilà. Du coup, bah c'est bien, on avance quand même pas mal, je trouve. On avance pas mal. Non, vous savez quoi, on va faire tout le chemin, et quand on revient, on se regardera ici, comme ça, on s'arrêtera là, pour l'épisode numéro 2. Ouais, on va faire ça. On va faire tout le chemin, on va récupérer la bête de feu, on refera le chemin à l'envers, et... quand on sera ici au début, avant d'aller chez Adric, bah, on se regardera parce qu'après il y aura tellement de choses qui vont se passer, ça va être un peu compliqué après. Parce que, attendez, je vais juste regarder à peu près combien de temps on est. On est à. Ah, on est qu'à 16 minutes! Ok, bah c'est good. Bon, bah c'est bien, on va pouvoir. Ouais, on va faire tout le trajet et puis après. On s'arrêtera là, je pense. On fera tout le chemin, aller, après le retour, et puis après, on verra. Parce que après, c'est plus pareil, là, c'est plus comme sur console, hein, maintenant. Là, maintenant, il faut que je regarde tout le temps, il faut que j'attende la fin de la mise à jour, mise en ligne plutôt, parce que la mise à jour ça n'a rien à voir avec tes vidéos, mais voilà, c'est pas comme sur console que je faisais en mode repos et ça continuait à la mettre. Là maintenant sur PC c'est complètement différent, malheureusement. Bah malheureusement oui pour moi, parce que maintenant faut que je prenne l'habitude. Maintenant quand je fais, à chaque fois que je ferai des vidéos sur PC, bah ça sera pas pareil que sur console, mais bon, c'est comme ça. Allez, on peut récupérer un peu des dragées. Hop, là, il y en a deux. Nickel. Bon, vas-y, remonte. Bon, après, je vous le dis tout de suite, les amis, honnêtement, il y aura des épisodes, ça durera un peu plus longtemps que les autres, hein, évidemment, pour bien avancer dans le jeu. Ça se peut qu'il y aura des épisodes qui durent 40 minutes. Ah, même un peu plus. Maintenant, j'ai plus besoin de trop fixer la limite. Allez, viens, mon petit. Allez, mon petit, tu peux le faire. Du coup, ça fait celui-là. Ça va ouvrir la porte. Voilà. Du coup. Hop. Bonjour, monsieur. Réveillez-vous. Mangez. Bien. Voilà, on est là, vas-y, viens manger. Vous êtes dégueulasse, monsieur. Vous êtes au courant? Vous dites même pas pardon, vous dites pas, tu fais comme chez toi. C'est pas grave. Allez hop, ça rentre. Et normalement, si je me souviens bien, c'est le dernier chemin. Jusqu'à. Bah, c'est avec le chemin jusqu'à la draine de feu. Et qu'on va faire avec, évidemment, la nouvelle magie qu'on a appris, Incendio, pour pouvoir le récupérer.
après ce deuxième épisode, je ferai juste une petite pause. Parce que j'aurai juste quelque chose à faire vite fait. Puis après, je reprendrai les enregistrements. Évidemment. Allez, c'est parti, go! Très cool. Passage où je me fais toujours avoir comme un... C'est... Bon, là, j'ai pas compris, trop compris qu'est-ce qui s'est passé, mais... On dit OK. mon petit Harry Potter, qu'est-ce qu'il y a? Allez, ça passe. Ça me gratouille. Ça passe. Bon, on est quasiment à la fin vers le voyage. Ouais, on est quasiment à l'arrivée du chemin. Quasiment arrivé. Hop. Tu passes. Et voilà. Tu arrives au livre. Par contre, est-ce qu'il y a une petite popo? Mais bien sûr. Et puis, on va pouvoir bientôt s'arrêter ici, les amis. On va pouvoir s'arrêter là. Après, petit coup sur garde. Bonjour le jeu, voilà, tatatat, lire et lecture, ok. 19% déjà du jeu, en deux épisodes. C'est vraiment un jeu qui est vraiment court. Hein. Harry Potter, tout premier, il est vraiment très très court. Après, le deuxième, je crois qu'il est un peu plus long que le premier, je trouve. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode sur Harry Potter à l'école des sorciers, deuxième partie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez... Ou attendez. Problème technique.